version et que j'ai voulu mettre à jour. Par rapport à ça, j'étais pas hyper fier. Voilà, pour te répondre. Merci. Je t'en prie. Merci. Tu passes quand tu vas à la maison. De toute façon, il habite juste au-dessus de chez moi, donc c'est quand même. Pour l'instant, au fond, là-bas. Ouais. Jeune homme. Oui, c'est toi. C'est toi. Eddie Redman, en homme et de loin, et en femme. Johnny Depp, je pense. Je sais pas. Ouais. Johnny Depp est cool. Ouais, on a dit. En femme, je sais pas en femme. Hein. Il y a des hommes et femmes. Oui, une actrice, un acteur et une actrice. Oh. La fille qui joue dans Game of Thrones, là, avec Khaleesi, comment elle s'appelle? Emma Clarke. Ah, oui, mais là... Emma Clarke, Emilia Clarke. C'est vrai qu'elle joue très bien. Elle est sympa. Alors, on va essayer de cocher ce compas. Oui, la fille avec les yeux, les cheveux roses. Moi, ma vidéo préférée à moi, c'est très gênant. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le cordon médical, là. Oui, il est dans ma poche. Ouais. Oh oui, ça fait beu, ça. Écoutez, la question est pas facile. Si tu sais répondre, mais... Voilà. Je sais pas, il y en a beaucoup qui sont bien, évidemment, on va dire, je sais pas s'il fallait trouver, les trous noirs, j'adore. Bon, enfin, j'adore les trous noirs, en fait. Mais c'est pas drôle, non, on le sait, voilà. C'est pas drôle. Il y a mon con de codeur, la dernière fois, qui me disait, ouais, les fontaines blanches, pas compris. Bah, non. Non, les trous noirs, la vidéo sur les trous noirs, j'avais beaucoup aimé. Donc, il aime les... noir. Et moi, c'est ma vidéo préférée de moi. J'en ai pas. J'aime bien celle sur le Titanic qui sort tout à l'heure, mais sinon, j'en ai pas. Elles se valent toutes. Excusez-moi. Non, j'en ai pas de fétiche. Question. Un autre please. Putain, c'est toujours le même. Hein. Allez, la peinture bleue. Déjà posée. Hein. Oh, excuse-moi. Ah, je suis pas assez calé cinéma pour vous répondre. Vous savez, quand même, les séries Sherlock et Doctor Who sont très bien tournées. David Yates pour les Harry Potter est très très bon. Une autre question. Ah, tu voulais qu'il réponde aussi? Ah oui, s'il est pas trop occupé. Question d'horaire. Ton réalisateur préféré? Christopher Nolan, le mec qui a fait The Dark Knight, Interstellar, excellent film. C'est pas vrai, Romain? Ouais. Oui. Raconte l'histoire, c'est intéressant. Elle est bonne quand même, l'histoire. Donc Interstellar, pour ceux qui l'ont pas vu, le film de Nolan, le dernier. Romain, je lui disais, il faut vraiment que tu le vois. Il me dit, oh, je m'en fous, etc. Donc, je le colle devant l'ordi, je lui fais voir un soir. À la fin, il est. Putain, c'est bon. J'ai pas pleuré. Arrête. Disons que c'est la première fois de ma vie que je vois un chef-d'œuvre, en fait, tout simplement. Et bon, et la théorie Histoire du temps? Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'était une biographie sur Stephen Hawking, hein, c'est sûr. Celui-là, j'ai pleuré, mais ma mère, ça rase, quoi. Mais pour Interstellar, j'ai pas pleuré, j'ai été ému d'un travail aussi extraordinaire. Mais je peux pas dire que j'aime Nolan, parce que c'est le seul. J'ai pleuré comme un bébé. Question? Oui, là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Ah, des bulles, plus souvent. Attendez. La prochaine pour la semaine prochaine? Ouais, ça se dit. Oui, la prochaine est pour la semaine prochaine. Oui. Donc ouais, mais dans tous les cas, les bulles resteront très disparates. Donc mes vidéos bulles, oui, sur des personnages précis. Les 3 mois, 4 mois, peut-être des 3 mois. Bon, elles sont assez rares par rapport aux autres. Parce qu'elles sont longues à écrire, qu'elles sont longues à monter. Voilà. Voilà. Il y avait une autre question avec la fille qui rigole bêtement avec les cheveux oranges. Voilà. Et la fille, elle est toujours en bas. Alors, Quantic Shark, c'est notre chaîne en commun avec Romain, où on fait sur des jeux vidéo. Romain, merde! Tu me dégoûtes!
Ouais, on est en grosse réflexion actuellement, donc on essaye vraiment de sortir des concepts qui nous plaisent. C'est pas facile. Et moi maintenant, comme j'ai encore moins de temps, qui fait que maintenant je fais les graphismes, je fais mes vidéos, je fais d'autres projets, je gère l'entreprise. Oh là 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 là. Oh, le matin quand j'arrive au boulot, les mails, tout ça, ça me dégoûte. Bon, voilà. Quantic Shark, c'est un petit peu en stand-by là. On est en train de réfléchir. Ouais. Bah, je sais pas, on a le sentiment d'avoir trouvé notre patte, mais on n'est pas assez, je sais pas, c'est pas évident. Si on s'arrêtait à ce que font les autres, on ferait rien, parce que finalement sur YouTube tout est fait, donc non, comme il dit, on a trouvé notre patte, et je trouve qu'on se différencie vachement d'un Squeezie, d'un gamer, je sais pas, moi, hein, voilà. À quand une chaîne sur la cuisine? Une chaîne sur la cuisine. Ouais, sur les livres. Ouais, enfin, moi je serais un peu seul. Sur les livres, jamais. Oh. Oui, jamais. Si vous deviez résumer votre vie par un titre de film ou de livre, ce serait quoi? Oh là là, je sais pas ces questions-là. Putain, tu te souviens comment je suis nul dans ces cas de jeu là. Mais là, je suis pas nul. Pour le coup, je suis pas nul. C'est très agaçant, ça. C'était David Chicone. David Chicone. J'en sais rien, la petite maison dans la prairie. Non, je sais pas, c'est. Putain, c'est. Non, hein? Non, pas de. Non, tu vois, c'est une question que t'as essayé, c'est pas. Oui? Bah, du coup, j'en ai deux. Ah, c'est beaucoup ça, hein? Romain, moi je suis beaucoup tes vidéos, parce que c'est assez intéressant au niveau de l'histoire, etc. Alors que les cours d'histoire. Ah, c'est terrible, hein? C'est affreux. Ah, bon. Pourquoi pas faire un type de vidéo pour révision? Parce que j'ai envie d'avoir des abonnés et des gens qui me suivent. Je suis pas professeur, j'ai pas du tout le temps ni l'envie, je te cacherai pas, de faire ça. Déjà que les T-Times vont complètement changer. Pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, les T-Times, c'est une biographie très simple de 10 minutes à peu près sur un personnage historique comme Tim Burton, Adolf Hitler ou J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Mais là, je vais complètement changer, ça n'aura rien à voir. Ce sera mélanger le top et la culture et faire un nouveau truc. Voilà. Et la deuxième? La deuxième, c'était plus pour le et le livre, une fois, on en a entendu parler. Et à moins que j'ai loupé quelque chose, ça donne quoi? Nécro et Sacro-Sel. Le livre. Ah. Oui, j'ai déjà répondu, celle-là. Ah, oui. Ah bah, j'étais pas là, alors. Oh. C'était il y a 10 minutes. C'est délicat pour le livre, parce que... Bon, voilà, tiens, pour revenir à la question de Espadon Quentin, où il me disait... C'était quoi déjà au niveau de tes regrets? Les regrets, c'est pour le bouquin, c'est qu'il ne soit pas encore sorti. Ça m'énerve. Et c'est chiant quand j'ai ce genre de questions, puisque il sortira tôt ou tard. Mais parce qu'il y a un roman que je traîne depuis des années maintenant, c'est pénible. Quoi. Et, là, j'ai plus le temps pour l'écrire, donc il faudrait que je le trouve, mais il faudrait que je me libère du temps en finissant d'autres projets. Donc tu vois. Mais il me tient toujours à cœur, t'inquiète. Mais t'as une maison d'édition qui t'attend pour ton livre ou pour après? Il y en a plusieurs qui m'ont contacté, mais je ne l'éditerai pas au format papier, mais en format en ligne, ouais. On pourra le lire sur smartphone. C'est hein. Un format enrichi. Oui, oui, les deux sont possibles, mais d'abord, il sortira en ligne, gratuit, et ensuite, on verra aux versions papier. Je fais tout gratuit, ouais. Et comment tu comptes gagner de l'argent? Et tu n'as pas levé la main. Comment tu comptes gagner de l'argent avec toi? Ah bah moi je peux pas. Pour rentabiliser le temps. Pas pour quel projet? Le livre. Pour le livre. Le livre et le jeu, quoi. Parce qu'il faut bien rentabiliser. Pour le bouquin, il peut y avoir des exemples tout bêtes. Quand un auteur écrit un livre, par exemple, il va trouver cette ville, il va faire ce personnage, il va faire par exemple une plaine, tout ça, mais d'où lui viennent ses idées? Il y a toujours un cheminement derrière. Galère, parfois il y a des anecdotes rigolotes. Et un truc qu'on peut monétiser, c'est par exemple, vous lisez par exemple le bouquin en entier ou quelques chapitres et vous avez envie de savoir comment j'ai fait pour trouver tout ça, les anecdotes rigolotes. Et donc là par exemple, on paierait 1 ou 2 euros pour avoir ces petits trucs. Et ce serait totalement optionnel. C'est une idée pour rentabiliser la chose. Des add-ons. Pas des add-ons, non, parce que les add-ons ça ajoute en plus, mais il y a déjà tout dedans. On va se dépêcher, il nous reste plus que 5 minutes, petit panda là-bas. 10 minutes. Quoi?
Ouais, Game of Thrones. Mais moi, quand même, il y a quand même Sherlock et Big Bang Theory derrière. Hein. Ouais. Ah, voilà. Mais tu avais une belle question, t'as... Ouais. Où viennent nos pseudos? Titaï, leur buté, j'aime bien l'Angleterre, j'aime bien l'esprit qu'il y a autour, donc Romain Titaï. Moi, c'est mon vrai prénom, Titaï, c'est Titaï. Ouais. Le nom des petits biscuits pour thé en plus. Ah, ils passent au fécond. Bon, alors, ouais. Alors, ces questions, c'est compliqué parce que je me souviens, quand j'ai créé ma chaîne, c'était il y a 4-5 ans, j'avais choisi ce nom, et à mesure que le temps passe, on se souvient de moins en moins, et bon, je vais répondre, hein, mais. Réponds vite. Bon, ah ouais, alors, rapidement, je cherchais un nom un peu plus composé, c'est-à-dire, je voulais un truc qui se fasse en deux fois, un truc. C'est pas clair du tout. Voilà. J'ai, au début, le poisson parce que c'était un truc qu'on peut retenir facilement, un truc banal, stupide, ridicule. On peut le lier à l'humour, on va dire, mon humour. Et pour le côté fécond, c'est un terme un peu plus compliqué, qu'on voit moins souvent. Et donc, on peut le lier au côté plus éducatif. Poisson, fécond. Voilà, et ça va. Dernière ou avant-dernière? Ah, t'as été la dernière. Ouais. C'est pour nous deux ou... Ouais. Putain, je suis passé par un peu tout, mais vraiment, pas quand j'étais enfant, plus grand, j'aurais adoré être physicien, théoricien, mais trop long, trop dur. Bon, il y a eu vétérinaire, mais ça c'est comme tout le monde. Ouais, voilà. Et toi, hein, prof? Hein? Je voulais être nounou. Je voulais être prof, je l'ai déjà dit, mais aussi psychologue ou alors hypnothérapeute. Bon, il se trouve que je suis aussi hypnotiseur, mais c'est pour juste un but très, très créatif. Mais soigner les gens avec l'hypnose, ça aurait été un grand plaisir, un kiff. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, on t'écoute. Il parle. On t'écoute. Je sais pas si je parle. Non, là, il y a... C'est pas de... Les bouts. C'est du livre que vous aimez vraiment. Ah, je lis pas. J'aime bien les livres de vulgarisation scientifique, notamment Aurélien Barraud, c'est ma copine qui m'a fait découvrir, c'est un astrophysicien de Grenoble, qui fait des livres très intéressants, mais sinon, non, je ne lis pas, je ne suis pas roman du tout. Mais tu aimes... Roman, hein, c'est ça. C'est pour moi. Bien. Moi, j'aime bien les livres de science-fiction, de fantasy, bon, en général, qui s'éloignent un petit peu de la réalité, puisque je pars du principe que si c'est pour lire un truc qui est proche de la réalité... Enfin, je trouve ça un peu plus ennuyant, quoi. Ouais, Verber, actuellement, j'étais en train de le relire, le truc sur les anges, tout ça, les thanatonautes, pour ceux qui connaissent. Très intéressant, pour m'inspirer par rapport à mes jeux. Mais sinon, c'est beaucoup de bouquins qui ne sont pas des romans, des trucs sur, je sais pas, par exemple, le développement personnel, tout ça. Voilà. Mais je lis pas mal. J'ai des bouquins un peu partout dans la chambre. Ouais. Avec ta notoriété, est-ce que la méthode... Bonaparte ? Ouais, la méthode... Ah, ça. J'ai un peu baissé les bras, on va dire, par rapport à ça. La méthode est gratuite. Il y a des profs qui s'inscrivent, plusieurs par jour. Voilà, je sais pas, c'était une époque de ma vie qui est un peu passée maintenant. Je suis un peu déçu par rapport à ça, bon, pour ceux qui l'ignorent, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Quand j'étais plus jeune, il y a 3-4 ans, c'était au moment où je lançais à peine ma chaîne YouTube, je voulais être prof, mais bon, bah, dans les écoles, on sait, il y a un cours avec les profs, il y a toujours du boucan, du bruit, c'est un peu le bordel, même beaucoup, souvent. Et si je voulais être prof, je voulais pas vivre ça, je voulais pas me faire emmerder par les élèves, et c'est pour ça que... J'avais écrit une méthode pour mieux gérer ses classes à partir de toutes les constatations que j'avais faites avec les dizaines de profs. Et voilà, cette méthode, je l'avais rendue accessible au plus grand nombre. Je l'avais écrit, ça m'avait demandé des milliers d'heures de travail, mais ça n'a pas eu l'effet estompé. Je pensais que c'est ça qui allait me permettre de... Je pensais que c'est ça qui allait me permettre de créer mes autres projets, mais au final, c'est la chaîne YouTube. Mais voilà, cette méthode est toujours accessible pour ceux qui veulent devenir prof, et ça pourra sans doute vous être utile. Une demoiselle là-bas qui avait le... Oui. Naruto. J'ai dû voir une 100 ou 150 épisodes de Naruto quand j'étais gamin, donc jusqu'à toute la première saison.
J'avais vu Bleach aussi, quelques séries comme ça, mais maintenant j'ai un peu lâché pour le coup. Est-ce que ça vous arrive de vous perdre devant une émission de télé-réalité? Moi j'aime bien Les Anges. C'est vrai, c'est pas une blague. Oui. Ah mais moi aussi, tu suis là? Que c'est pas justement... C'est bordel, hein. Mais oui, mais... Aurélie, c'est une grosse... Alors, pour vous situer, moi je regarde assez peu la télé, parce que le soir je fais autre chose, mais quand il y a Romain, puisque donc on est en coloc, le soir quand on bouffe, il allume parfois la télé, c'est lui qui choisit les chaînes, et il arrive qu'il passe sur Les Anges. Donc, au bout de 5 minutes, je sens mon cerveau qui est en train de fondre et couler par les oreilles, et je me sens un petit peu obligé de sortir, changer de chaîne, m'imposer un peu. Alors, on vient d'apprendre que Chris a un cerveau, mais qu'en plus, ils font devant quelque chose de pas très compliqué. Mais c'est pas grave. C'est drôle, tu vois, je dis, mais quoi, oui, ça, oui. Ça va quoi, en fait? Oui, je comprends. Dernière question, puisqu'il est moins le cas. Est-ce qu'on peut voir ton tatouage, Chris? Ah, la fin, gardez ça pour la fin, la demoiselle en bleu là-bas. Alors, j'ai moins 1,75 à l'œil gauche et moins 2 à l'œil droit. Je suis myope. Voilà. Pour les consultations. Quels sont tes problèmes de vue et vasculaires? Moins myope, moins 2, c'est tout. C'est une petite myopie. Je vous vois sans, mais c'est un peu flou. Voilà. Comme moi. T'es pareil que moi, pas souffler. C'est ça. Ouais. Super. Et toi, alors, tu es myope? C'est vrai? C'est génial. C'est génial. Oh. Super. Allez, dernière question. Les problèmes. Un coup de plombage à tes dents? Mes dents vont bien. J'en ai une dévitalisée, mais ça va. Ça fait quand ça s'épuise, hein? Oui, mais montre ton tatouage pour répondre à la question, puis ça va, on va clore là-dessus. S'ils veulent vraiment voir le tatouage. Oui. S'ils veulent vraiment voir le tatouage. Oh, come on. Il y en a 10 qui disent oui. Est-ce que c'est un vrai? C'est pas trop dur, le mec? Oui, bon, ceux qui connaissent mon entreprise, le logo, etc. Comme je suis un psychopathe, je fais juste le logo. Voilà. Quelque chose de simple, hein. Touche-toi les tétons un peu. Non mais, voilà, je suis un psychopathe et c'est comme si Steve Jobs, il s'était fait la pomme sur son torse, quoi. Heureusement pour lui que non. C'était pas sur son torse. Pas mal. Bon, bah merci, bon après-midi et attendez. Pour ceux qui sont intéressés par les trous noirs, nous avons une conférence avec la dame du CERN, c'est Faye Boss, à 15h45 en salle de conférence, et sinon nous serons dédicaces à 16h. Merci. Merci pour les questions. Merci. Et bonne journée. Merci. Oui. Au revoir.